Je suis trop impatiente. Ah oui. Je suis quand même un peu stressée. Impatiente, vous êtes super pas aussi. Oui, impatiente, c'est voilà, exactement. Passons aux choses sérieuses. Salut tout le monde, je m'appelle Anna et bienvenue au club des si petites et si grandes. À ma droite, on a Kylie et à ma gauche, Camille. Et aujourd'hui, on va faire un super jeu très connu qui s'appelle Devine ce qu'il y a dans la boîte. C'est ma maman qui a choisi les objets qu'on doit deviner, donc on n'a aucune idée de ce qu'elle va déposer dans la boîte. Oui. On sait juste que les objets sont inspirés des mini-univers que renferment nos coffrets de Polly Pocket. Voilà comment ça va se passer. On va glisser nos mains par ce trou, toucher l'objet à l'intérieur et essayer de deviner ce que c'est. Ça peut être gros, petit, gluant, pâteux, dégoûtant, je n'en ai aucune idée. Et à la fin, on fera le calcul pour voir combien d'objets mystères de Polly Pocket on a réussi à deviner au total. J'espère que tous les objets sont cool. Et les secs. Wow. Objet numéro 1. Objet numéro 1. Je vais commencer. Je vais commencer avec toi. Ok, okay. Je passerai en dernier. Ok, t'es prête? 3. Oui, il est le lit. Est à l'intérieur, mais je ne sais pas où je vais. Je crois en moi. Ah, j'ai touché quelque chose. Anna, t'as touché quelque chose? Yes, je sens quelque chose. C'est comment? Ça ressemble à du carton. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, maintenant j'ai peur à cause de vous. C'est quelque chose de doux oui, et de mou. Je trouve ça granuleux aussi. Est-ce que c'est du fromage? N'importe quoi, est-ce que c'est de la granuleux? Ça fait un peu comme de la crème au-dessus et il y a des morceaux qui bougent. C'est super bizarre. J'ai un gros morceau tout écrasé entre mes doigts. On échange? Ouais. Au secours. Qu'est-ce que tu sens? Je sens quelque chose de mou mais aussi de craquant. C'est granuleux mais aussi pâteux et moelleux et doux comme de la guimauve. C'est assez... Ça y est, on a toutes les trois touchées. C'est quelque chose de granuleux et mou. Attends, c'est du gâteau. Parce qu'il y a comme des couches et au-dessus j'ai senti quelque chose de doux. Ça pourrait être du glaçage, je ne sais pas. Ou alors... Et les petits grains, ce serait des vermicelles et le truc froid de la crème glacée. Gâteau tout ramolli. Les gros morceaux granuleux, ça devait être le gâteau. Et le truc doux, ça devait être le glaçage. Oui. Du gâteau. On dit du gâteau, du gâteau, du gâteau, du gâteau, du gâteau. Ok, du gâteau. C'est notre mais réponse. C'était gluant aussi. Ok, okay. On va regarder dans 3, 2, 1. Du gâteau, du gâteau. On a trouvé ce que c'était. Objet numéro 2. Je commence parce que le tour d'avant, je l'ai fait en dernier. Oui, cette fois, tu peux toucher la première. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ce truc? Ça ressemble à une bague. C'est un peu caoutchouteux. Attendez. Anna, c'est trop drôle de voir ta main bouger doucement vers moi. Alors? Ça ressemble à une sorte de jouet qui couine en plastique sur le dessus. Il y a genre... c'est difficile à décrire. Il y a une partie en plastique dure ici. Et ensuite, il y en a une autre au-dessus. Et là, un bout en plastique mou qu'on peut écraser. Et c'est posé là-dedans. Regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est triché. Non, je ne triche pas. Je sais ce que c'est. Enfin, je crois. C'est dégoûtant. Je sais pas encore ce que c'est. Moi, je crois que j'ai une idée. On se concentre. Ok, ok. On peut y aller. 3. On est prête. 2. Une tétine. C'est bien une tétine. C'est pour rappeler Paxton. C'est pour Paxton. On a encore trouvé. Oui. 2 sur 2, les filles, on va voir si on devine le suivant. Oui, passons à l'objet suivant. J'ai peur de toucher. Numéro 3. Ok, cette fois, qui commence? Camille, tu commences. Tu commences, oui. Alors? Attends, je n'ai encore rien touché, mais je sens une odeur. Moi aussi, je sens quelque chose. Je ne reconnais pas cette odeur. Oh. Tu l'as touché? T'as entendu le mot que t'as fait? Pas tu l'as touché toi aussi? Non, c'est pas mon tour, il n'y a que toi qui touche. C'est bizarre, on dirait. Ça sent comme les nuggets de poulet. C'est un peu... Non, c'est un peu poudreux. Qu'est-ce que c'est que ça? Essuie-toi la main sur du papier si poudreux. Tu veux. Poudreux. On dirait presque que c'est granuleux là aussi. J'y vais ou tu veux y aller? Je vais y aller tout de suite. Oui. Je crois que je sais ce que c'est, mais je n'en suis pas très sûre. Mais ne nous dis rien. C'est comment? Tu fais une de ces têtes. C'est quoi ça? C'est genre tout mou et spongieux. C'est presque comme un chenille. Regardez, si je l'écrase, ça remonte tout doucement. Et je peux aussi... Je peux faire... Quoi? Oh! Je viens de découvrir quelque chose. C'est comme du vomi à l'intérieur. C'est tout mou et humide. Je n'avais pas du tout senti ça. C'est doux, mou et ça colle entre mes doigts. En tout cas,
poudreux. J'ai peur. Vas-y à ton tour, Kylie. Je pense que tu vas deviner ce que c'est. Mais je pense perdue. Que c'était plus facile pour moi parce que quand je l'ai touché, c'était intact. Ah, j'ai une drôle d'odeur sur mes doigts. Ah, je trouve ça granuleux et aussi... J'ai trouvé, ça sent la tomate. Ça fait comme de la sauce tomate et c'est écrasé et ça s'émiette. Ça s'émiette? Mais c'est aussi dur. Ah, et c'est genre plein de sauce. Je sens une espèce de liquide dedans. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a quelque chose moi, de pâteux c'était juste dur. Et du liquide mélangé dedans. Les okay. amis, ça y est, on pense savoir ce que on c'est. On en est sûr à 99,9%. Quand j'ai touché, je ne parle pas de la partie molle. Oui. Moi, ça ressemblait à un triangle. C'était et est-ce que j'ai pu sentir ça n'avait pas une odeur sucrée? Et moi, j'ai senti de la sauce. 3, 2, 1, de la pizza. On a trouvé la bonne réponse. J'ai cru que c'était un scone au début ou quelque chose comme ça. Je la vois dans le coffret. Il y a une mini pizza. La pizza est là. Non, la pizza est là. Oui, la vraie pizza est là. Elle est là. Du moins ce qu'il en reste. Trop fort. Sur 3 sur 3. Objet suivant. Objet suivant. Objet suivant. Ok les amis, on va passer au dernier objet. Objet numéro 4. J'ai trop hâte de le faire. Tu veux commencer? Moi, d'accord. Je commence. Anna. Ok. Ok, j'y vais. Tu peux le faire. Vas-y, Anna. Vas-y, Anna. Oh non. Je sens quelque chose. À quoi ça ressemble? Pitié, ne détruis pas tout comme la pizza, sinon on ne devinera jamais ce que c'est. J'adore la texture. C'est vrai? Attends que... J'enfonce mes doigts dedans et je sens... J'ai entendu quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe ça là-dedans? Ça donne pas envie. Oh, on dirait qu'il y a des petites boules dures dedans. À moi de deviner. À ton tour. Ok. La tension c'est monte. C'est quoi? C'est assez malléable et moi, t'es un peu humide et je sens comme des perles. À Camille de toucher. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ce n'est pas de la bouillie. Qu'est-ce que c'est? Oh, lui, qu'est-ce je crois savoir ce que c'est. Et pourquoi ça? J'ai des frères, je vous rappelle. Vas-y, décris-nous ce que ça douche. Ressemble. Oui, c'est un peu caoutchouteux et très malléable. Oh, oui. Bonjour, les petites perles. Oui, t'as senti? On se concerte avant de répondre. Ok, j'arrive. En privé, on revient tout de suite. D'accord, ça y est. Oui, j'ai donné beaucoup de détails, j'ai tout senti et tout reconnu. Alors, pour ce dernier objet à deviner, on va dire... Du slime. Du slime avec des perles. Des dinosaures. Des paillettes en forme de cœur. 3, 2, 1... Du slime. C'est censé être quoi? C'est du slime. Oh, c'est une girafe. Oh, regardez. Ok, c'est celui que j'ai reconnu. C'est un dinosaure. Un dinosaure, oui. Et j'aime voilà les perles. Oh. C'est tellement agréable. Oui. On a réussi à deviner notre dernier objet. Comment t'as retenu les cœurs? Oh, ça sent la colle. Oh, c'est vrai. On a bien deviné. Et donc, on en a trouvé? On a fait un sondage. On en a trouvé 4 sur 4, les amis. 4 sur 4, oui. Ce slime est super agréable à toucher. On est de vraies championnes. Ça me colle aux doigts. C'est un lion. C'est tellement caoutchouteux. Caoutchouteux, mais doux. On connaît quand même très bien nos coffrets univers Polly Pocket. C'est clair. On a réussi à tout deviner. Même si le slime n'avait rien à voir avec Polly, c'était l'exception. Oui, c'est vrai. Et c'était la seule exception. Moi, j'ai trouvé ça un peu effrayant de mettre ma main dans la boîte. Oui, j'ai trouvé ça effrayant aussi. Ça faisait peur de pas savoir ce qu'il y avait. Surtout que moi, personnellement, je n'aime pas trop toucher ce qui est mou et moite. Polly m'a bien aidée, honnêtement. Parce qu'elle surmonte toujours ses peurs, alors j'ai pris exemple sur elle et j'ai affronté la mienne. Oui, pareil. C'est tout à fait ça. Les amis, si vous voulez, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne de Polly Pocket. Et retrouvez-nous une fois par semaine pour des vidéos au contenu super cool et amusant. La preuve avec ce qu'on vient de faire. Et n'oubliez pas,